Ndia Congo Live Télévision mbote na bino tokutani sous le lopo que to kabola bactualité ko le kanakati ya République démocratique du Congo oyo tolobaka mbote mboka na biso to dali nango se moko mboka mosuzalité congolais no sesika ozwami esengeli we ba ma situation ezali ko le kanakati ya mboka na yo yango wana dali devoir au monene pe na confiance o bino boko sala biso pour que to meka un peu ko kabolaka mokolo na mokolo ezali ba sujet ba actualité ko le kanakati ya mboka na biso e bongo lelo oyo likambo oyo ezali ko tout amité ma ba congolais c'est ali bongo confrontation entre le gouverneur de la ville de Kinshasa na bongo président assemblée provinciale à Kinshasa ali bongo Ngobila na ndeko Ngode Poyi oyo bongo bako tout anana likambo etali détournement ya fonds ya assemblée provinciale à Kinshasa 6,7 millions et des dollars et kangami na maboko ya gouverneur ya ville province à Kinshasa le gouv Gentiline Ngobila lelo o na kati émission na biso ya lelo to kola kisabino et ba vérité to zali na yango pour que bon me ka un peu ko comprendre situation ali ko le kanakati ya assemblée provinciale ya Kinshasa na biso bongo to ko kobaka kana situation ya Salomon Escadela bongo conseiller privé ya mwana mboka Moïse Katumbi 4 griefs lelo yo na kati ya le dossier na ye et conférence de presse et salami bongo na demia petika wapi et batali si ba situation ekoleka nyonso wana tokoyeba ngona kati emission na biso ya lelo tokoyeba pe sous le lenge kani liberté provisoire ya mwana mboka o tokobenga député national Mwanga Chuchu ezali bongo refusé nyonso wana na kati emission na biso ya lelo tokomatisa putulu pote makaletika la parce que situation ekoleka na kati mboka na biso ekosenga ete kongole nyonso azala informé esengo mingi ya koyamba mwana mboka le président Marcel Binaye toko kabola ba sije o ezali énoncé na émission na biso ya lelo pe toko lakisa bino ba vidéo toko lakisa bino ba image toko lakisa bino ba situation nyonso ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo pour que lelo oyo congolais nyonso azala informé mwana mboka président Marcel mbote na yo mbote monsieur le journaliste na bandi ete mboka elingani parce que lelo oyo na kati ya ville province ya Kinshasa 6,7 millions et comment on a été na kati ya assemblée provinciale ya Kinshasa situation wana ezali boni boni bon en tout cas to lali to lamuki to yoki déclaration ya président ya APK mwana mboka Godé Mpoyi et osala une telle déclaration en tout cas si cette information s'avérait vraie en tout cas moi je pense que na lobango chaque fois to ko pesa mutu chèque à blanté au nom soit permis à tiseke dit malgré balati ba polo il y a union sacrée, Tolobaki, union sacrée, ça blanchit sérité. Tout celui qui viendra avec l'intention à conduire na baksion chef de l'État, en tout cas, faut tout dénoncer yango. Mais moi, je pense que moi, na mboka, démarche à moi, na mboka, godem pour ipo nangai, na habité parce que, bangona, Gentiline Ngobila, balière à la même table, depuis, babanda, mandat na bango, oyo, tout ce qu'elle a na yete, à télémila, ba mejesso ya moi, na mboka, gouverneur Gentiline Ngobila. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, subitement, à la mouka, pour qu'on dénonce le Kouana, quelque part, bah, yokanite, pour la nîmes. Parce que tant que Bissou Bandaya qu'on déplorait, je suis à moi, n'amboka, Gentiline Ngobila. Ah ouais, je pense que le président Godé Mpoyi a sa sourde oreille. Tu le bais que Mbo, ville à Kinshasa, sa gouvernette, ville à Kinshasa, salité l'équipe Makas, la ville à Kinshasa, tout le monde a qui l'élo, oyo, bah, quel que yoka, Bissou, t'es l'élo, yé, Godé Mpoyi à la mouki pour nous dire que non, 5,6 millions, il y a bango il y a assemblée provinciale et je m'en attends bon moi je pense que c'est à la justice il y a comme c'est la banquette qu'il y a bah mbongo wana sur les a détourné ou mbongo wana gentiment tient en haut parce qu'il y a mbongo ya contribuable congolais ou il peut aider mbongo kanabiso babilo ko aboto denosaka yango à chaque fois bato ba yeli biso na mboka on alobaki yango à chaque fois bato nyonso yo oyo ba outi na FCC na PPRD baza bato ba exemple et ba modèle pour na mboka nabiso te. Moi, je présumais déjà que le Bélo a une gestion de Kabila pour aider le chef de l'État. Parce que le médecin qui mingi été détourné, le médecin qui mingi été la malversation financière na gestion na bango. Yango lelo oyo il rattrape bango. Si ma kambo godin pour aller des avrés, en tout cas, que la justice fasse son travail et que le médecin soit traqué, il va répondre à l'acte qui a été reproché par
le président de l'Assemblée nationale, il y a professeur. Mais il y a un mot dans le président Marcel, tu as décrié fonctionnalité à l'Assemblée provinciale, puis à Kinshasa, il y a des députés, des plénières. Et il y a des plénières, mon colonie, il y a des députés, il y a des députés provinciaux, il y a des et banakali susute lelo otoko décrier manière ya gouverner ville ya Kinshasa bongo sur l'oreille et salema qui est pas ya godem poi est-ce que ça n'était parce que to commune na mission na ba fin mandat ndé ba vérité ba nikobi mama na mboka non moi je pense que omoni bazala ki bango so banda ko lien na assiette moko tant ce ko muninga asalio kana alikanda wana oleki na media to mona yango avec Kabila et Katumbi banda ou l'en assiette moko, tant mouninga meli mouninga mbongo, le kanda bimina presse, c'est ce qui justifie alors sortie médiatique on a Godem. Moi je pense que pour nanga le bango, bango nyon, c'est qu'on a un club d'amis, dans l'Assemblée provinciale wana. Ba on se couvrir entre bango, ba bêtise na bango, ba sale besoin na bango, ou détruire un peuple congolais. Banda ou tel a mingi bintere na bango, tu peux imaginer, et les députés provinciaux, ba sa na bango dynamique ngobila. Allez-y comprendre. Tant que nous sommes bah, censés contrôler l'exécutif, mais bah, c'est là club d'amis pour bah, soutenir bah, Ngobila, bah, bêtise naïve. Oh, c'est là qu'on a ta ville à Kinshasa. Les lots ont rattrapé. Bah, les lots ont qu'est-ce qui a poussé Godem Poyi à décrier mes gestions. Oh, monsieur, tu as décrié depuis le début à y a mandat. Parce qu'à Monique, il a fait mandat. Y a le non, que, bon, même si elle a décrié, ça, les non, il n'y a pas question à faire mandat. Moi, je comprends que bah, tout a limité. Je suis condamné. Ma maman m'a dit que mon amai a bendi li konda ngana s'y retrouver te tika na ganga ngona na media. Moi je pense que pour na biso et ya na ngodi nouveauté parce que bango nyonso bazo des chefs de l'état té bango assemblée provinciale bango exécutif bango des chefs de l'état té parce que bango qui est censé ya contrôler exécutif to mona nulle part ba sala contrôle moko boyé na kati ya exécutif ya Ngobila ba bimisa ministre moko awa ya économie je pense provinciale. Il semblait être détourné par millions de Congolais. Mais tout le monde a Godem pour attirer les mains à l'obélé. À l'obélé, il y a un côté. Parce que mais ce qui ah, c'est ce que je vous dis. Lorsque je porte le gâteau dans le maintenant, il y a un témoin. Il a décrit que non. Non, moi je pense que Batouana Nyonso a été chef de l'État. Pour tout le monde, il y a un place il y a un mode opératoire. Mode opératoire, il y a un détournement, il y a un dénier public, il y a une malversation financière, il y a un moyo, il y a un gestion de mon amour à Félix Tshisekedi. Et on a le bar à chaque fois, batou bakoye de chef de l'État basalité. Godem Poyi, non, mon amour, Jasine Ngobila, il y a un peu préoccupé, il y a un peu biso, il y a un peu de bango. Telle est la manière dont la ville est gérée. En tout cas, comme si nous étions dans une jungle, aucun domaine de transport. Chauffeur, c'est la loi na bango. Ok, koto, nos amis ya ba motocyclistes, c'est la loi na bango. Koto, ok, koto, yo, oka, même, na, oka, nuisance sonore, na yo moutoucha a opéli sa musique na ye, de tongo, titongo, moutoucha inquiété à Zaïti. La ville n'est pas gouvernée. Et les causes, yango, tomo, yo, conséquences, yango, yo, ba potani entre bango. Moi, je pense que, et puis c'est maintenant le PGR à comprendre, à s'imprimer dans le dossier wana. Ayeba, qu'est-ce qui n'y va pas au niveau il y a gouverneur à ville à Kinshasa, dans ces mêmes provinciales, bah, la ligne. Si réellement bon wana, et ça bon à Congolais, bah, détourner en tout cas, ils doivent répondre à la juridiction compétente. Nabandi était ba congolais ba kota la biso ezali bongo situation ko sala pasi parce que lelo oyo ezali na bato oyo ba ko porter casquette et te nazali na kata union sacrée nazali intouchable lelo oyo est-ce que soki lelo oyo il s'avère que IGF a côté le Kambwana et a trouvé que mbongo ezali de tourner pas de Kongobila est-ce que de Kongobila a kozwa mbano na eto sanctionné cela revient à la justice de faire son travail. Moi, je pense que tout le monde qui m'a envoyé, Dieudonné Kamouleta, il avait dit ça tout haut devant la presse que cette fois-ci, il va accompagner moi Mbouka à Gilles Alinghetti à l'exercice de ses fonctions. Moi, je pense que si Ngobila a ça impliqué dans le détournement, moi, je pense que les dossiers, dans le niveau de justice, il faut va intenter une action judiciaire contre lui à répondre à l'acte. Parce que Mbouka a été jengle. Et puis, il y a dit que l'Union sacrée est une blanchissérité. Autre quoi admettre, au Yibimbo Mboka, parce qu'on a une union sacrée, va poursuivre. Non.
justice est indépendante. Le président a voulu que la justice soit réellement indépendante. C'est à la justice de faire son travail. Que tu sois dans l'union sacrée ou pas, sans commettre une infraction, en tout cas que la justice, et ça, Moussa Nango, comme il se doit, a traqué, a détourné, a traqué, a pillé, a corrompu, a corrompu, a détruit le cannabis, a que le cannabis s'est développé. Moi, je pense que le dossier est tellement sensible, ils ont bon de l'air. Si vous dites 5 millions de dollars, ils ont bon gébélé, ils ont aidé des villes européennes, ils ont salité tout le monde partout, ils ont immondice partout, ils ont foule partout. Moi, je pense que ceux qui ont bon, ils ont détourné, à ben, que moi, je suis donné Kamouleta, à Salah Moussa, ils ont intenté une action judiciaire, ils ont fait la banquette. S'il s'avérait qu'ils allaient vrai, il y a eu des tournements, que Ngobila a répondu de ses actes devant la justice. Est-ce que, comme il y a un homme, il y a noté au sein, il y a un politicien, il y a un qui a détourné, il y a un solo, il dit que, bon, comme il y a une habitude, il y a un côté prison après, il y a un peu de temps, il y a un côté de prison, il y a un peu de temps. Est-ce que, comme il y a un homme, il y a un politicien, il y a un peu. Moi, je pense que, quand il y a un homme, quand il y a un homme, il y a un homme. Parce qu'il a besoin que gestion aille dans les collaborateurs dans la scène. Parce que l'IGF a sali police. Vous comprenez? A se contrôler finances publiques. Aye que la moussa sous automoni cour de compte. Où ils a censé maintenant pour traquer bah détourner. A ce qu'on a bitinin. Parce que gestion aille il fait la scène face à contribuables congolais. Baye bah nani a se détourner mon ya mouka. Le lobe détournement oh il faut encourager et sali grâce. Il y a politique au moins en Mboka Félix a chaque sur la place publique pendant son mandat les autres ont mis koyeba que mbongo va détourner mbongo dans le temps il bando le silence radio même koyeba de bandeau ibanate mais du fait déjà et comme koyeba na déjà et quoi alerter tout le monde même la justice aussi peuvent se saisir aussi na acclamation na acclamer public c'est ça ou que non moki le gangi il y a eu détournement alors la justice doit s'imprégner maintenant de la situation aiba réellement mbongwane kei wapi pour nous déjà ils a déjà nini moko ya malamu le tout monde le détournement yo sala manamboka ils a soit en cachette été et que maintenant étalé à la place publique mais c'est à la justice maintenant de nous aider parce que ce n'est pas au chef de l'état moins encore à l'IGF c'est à la justice maintenant de s'imprégner na ba situation yo soana ya ba clameur public o yo sala manamboka na biso a kota likambwana a mené ba enquête na ye a établi ba responsabilité ce qui Ngobila za impliqué dans le tournement il doit être traduit devant la justice à répondre de ses actes. Voilà, na bandi était 6,7 millions auto kolobela awa et ça dit comment on a été dans l'assemblée provinciale à Kinshasa bongo le président et assemblée provinciale Godem Poyi Amati au créneau pour que a dénoncé a sali ton aye à haute voix lobi était mbongwe comment on a été mbongwe yane maboko ya gouverneur de la ville province ya Kinshasa Gentil Ngobila est-ce que le lo to causer na tena Nicolas Zali koya ba confrontation entre les deux personnalités na kati ya mboka na biso c'est ainsi na auto loba awa que la justice ba juridiction compétente ba s'imprégner na ba déclaration wana ils ont dira clameur public non qui ba s'imprégner na yango ba ouvrir une enquête sur ces dossiers même na ko établir ba responsabilité ba statuer sur ces dossiers si c'est si makambo godé pour alobi ezali vrai Ngobila ko répondre devant la justice. Moi, je pense que c'est ça d'ailleurs la beauté à la démocratie, le Lunakata Congo avec Félix Tshisekedi. Parce que tout détournement, tout malversation financière, ils ont su Yaruba Tamate. Et comme il y a sur la place publique, Pepla Yeba, Moutouni a détourné mon abisso, Pepla Yeba, Nana Korompati, Pepla Yeba, corrupteur et Zalinani, c'est ça le problème. Moi, je pense que tout revient à la justice. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Du côté de Asali, déclaration, justice, PG, Ayoki Yango, je pense que c'est à lui maintenant, il y a quoi intenter une action judiciaire à l'endroit, il y a Messier, Gentil Ngobila, après les enquêtes. Et puis ma responsabilité, et ça l'a établi. Voilà, le lot de justice, c'est qu'on a un dossier sur dossier, dossier sur dossier. Le lot de justice, c'est que mon ami, mon conseiller privé à Moïse Katumbi, Salomon Escadela, Azalaki, et bongo arrêté dans l'aéroport Yandjili. Le lot de dossier, c'est qu'on a un des cas qui ont évolué. La carte de Mia, pour tout le monde, tout le monde, conférence de presse, c'est qu'on a eu. Et mon conduit est allé, mon conduit à renseignement, a étalé dans la place publique, quatre griefs, où ils dossier ya mon amboka
salamu escalé la situation à l'Ikambouana, mon amboka président Marcel et Koukouba Ndengeni. Mon amboka, messieurs les journalistes et Olivier, je pense à l'émission présidente Naïb Sakio Clair. Batoubaloubagi, non, arrestation arbitraire Naïb Sakio Ké. Les services de renseignement, Baretaka Moutou, sur base de la rimerte. Je pense à Matelaki sur ça. Lorsque mon service de renseignement et Kangi Moutou, quelque part, ils ont des informations sûres et vérifiables sur la personne. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous avons la vérité Kobima. Nous avons dit à travers une émission. Lelo Oyo, nini avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons grave. Nous avons awa que nous avons Oyo, que nous avons dit Congolais. Et puis tout ce qui est reproché, lelo mwana mboka azana ba ba moni ba contact direct avec ba responsable M23, avec ba responsable ya armée rwandaise RDF, mwana mboka Salomon Skadila na ba conversation na ba message o ba sulwa na bango. Moi je pense que nos services ba saki na torte ya okangaye. Parce que est-ce que Zali Mabé a causé moto a causé l'Anaïna n'a peut-être toujours exemple n'a président Paul Kagame, est-ce que Zali Mabé a causé la contact n'a président Paul Kagame le gros langage boy n'a causé la n'a contact n'a président Paul Kagame, ça fait rien mon amour causé le Zali Mabé mais bah sur l'Anaïna c'est le problème bah coutume d'information contre la République, complot contre la République. Lorsque mon amour comme Moïse me dit à Zoluba à Zosseng en Aba na numéro 1 Jean-Marie Runiga numéro 1 politique, il y a M23. Qui va contraindre le gouvernement congolais dans le dialogue, à la cache de dialogue, va cotiser dans le cahier des charges, dans le loi Chani, va l'ongoula yango. Deuxième, il y a un ami. Que les M23, il y a encouragé M23, va couer ça, régime actuel. Et ça n'a pas conversation. Il y a un ami qui a Moïse Iskadela. Mais lelo oyo parce que avocat ya mon amoka Salomon Escadela bazali na droit ya kokende vers vers client na bangote. Mais lelo oyo situation ndenge tozali kokende, est-ce que procédure ezali ki biaisé na kosa la conférence de presse na matière ezali pénale et puis ezali na carte d'instruction? Moi je pense que les avocats ne peuvent que dire ça. Avocat jumbo na yazo défendre mutu na, ils ne peuvent que dire ça. Je pense les avocats bakendaka lorsque dossier ils allaient transmis na juge naturel naï. Ndé ba avocat ba kendo présenter ba moyen ba moyen défense. Mais na moment oyo azo passer aux interrogatoires na ba service na biso renseignement, l'avocat au côté ko kisani. Ezala kata. Même aux États-Unis, lorsque CIA, FBI azo interroger mutu, au moment déjà avocat na kati. Pourquoi au Congo ici, ba ba prendre biso makambo si kana kata mboka o. Nulle part au monde. Même si ma service a renseigné, ils ont interrogé Moutou, avocat n'a droit au côté. Et ça n'a toujours secret, même aux États-Unis. Mais tu as une greffe, il y a port et un port d'armes à feu. Lilo Oyo. Et ça dit que mon amour, Salomon Escadé, la thème, tu as porté une arme à feu. Bazali est belé, ou Bazali a porté une arme à feu illégalement. Bazali est belé. Moi, nous allons greffe, moi, qu'on soulevé parmi tant d'autres, au Bazo, reproché mon amour, Salomon Escadé. Détention illégale, il y a port d'armes. Il est qui? Et pas ce qui est autorisé par un âne. Et pour quelle finalité? Et puis il a engagé, il a pris un policier au bazar commis à la garde naïe, illégalement, un major et d'autres policiers. Vous comprenez? Et puis, ces policiers, on va faciliter Moïse Monide là, pour l'achat des armes afin de renverser le régime en place. Selon la trace qu'on va trouver dans le téléphone, il y a mon amboka Moïse Monidela. Incitation des militaires à commettre des actes contraires. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mais, troisièmement, atteinte à la sûreté de l'État. Parce que moni ba trace kuna, il y a un coup d'État dans le cas kuna. Mais est-ce que nous sommes allés à acharnement de mon amboka? Malheureusement. Jusqu'à présent, parce que ma preuve palpable, en droit, les écrits, les audios constituent des preuves. Preuves n'y a pas. Tant que vous avez un message, vous avez un numéro 1 M23. Mais ce qui est ça, c'est que vous avez le président Marcel. Le président Marcel, bonne santé. Est-ce que ma message est un renversement à un régime? Je pense, je suis clair dans mes dires.
on n'a pas interdit à Salomon Skadela d'entretenir des relations avec les officiels rwandais. Mais quelles sont les conversations au Bakouji? C'est ça le problème. Quel genre de conversation dans le Bakouji? Ah, ben, dans le martelé. Bazo solo là, Makambu est entré na Congo. Makambu est entré avec les régimes actuels. C'est ça le problème. Et on va retenir grief atteinte à la sécurité de l'État congolais. Parce que dans la conversation, vous voyez, Azo Senga, na ba M23, Jean-Marie Runiga, na assistant, il y a moi dans Mboka numéro 1, na militaire, il y a M23, Makenga, que va pas contraindre le gouvernement congolais, tant que vous avez une négociation, va chaper, ni na bango, na la carte, il y a cahier de charge, na bango, va longo la loi Tchani. Mais est-ce que. N'est-ce pas ces informations? Touche la sécurité à l'État. Mais est-ce que Zali le loto koloba, ils ont toujours raison au régime en place à consulter par rapport à la situation batunyo so bako sala to bengi bako solo la katuzu le col exemple ya Fortuna Biselele le lo oyo azala ki bongo ko attaché ba relation entre intermédiaire entre le président Félix Antoine Tshisekedi na président Kagame mais le lo oyo dossier na bimi pour coup d'état le lo oyo mon amboka Salomon Escadela encore coup d'état alors. Nous sommes dans un pays où nous sommes victimes d'un complot international. Tous les coups sont permis. Le régime passé a infiltré les gens, il y a Kagame, à tous les niveaux. Même des institutions en Mboka. Même à la présidence, je t'informe, il y avait une informaticienne rwandaise dans la présidence. Toi, tu penses que quel intérêt Félix a na yango avec Mdrukola Salomon Skadela? Il représente quoi? Quel danger Salomon a représenté dans le régime assisté? On doit quand même réfléchir comme des intellectuels. Les mâles congolais, les Congolais ne veulent pas réfléchir. C'est ça le problème. Il y a un moment où il va réfléchir dans le Congo, il va venir tout acharnement. Na tout nio. Skadela Salomon représente quel danger dans le régime à Félix Tshisekedi? Ah, mais ce qu'on représente danger, c'est le lien de Nazali na Katia Demia pour moi. Parce que, beaucoup d'informations selon lesquelles, Azali a connivence avec l'ennemi à Congo. Parce que tout le temps, avant d'aller dans le Lubumbashi, au moment où il va interpeller Salomon Skadela. Et pour ton information, Salomon, avec son chef, Katumbi, Azali en exil. Azali contraint, Azali en exil par Kabila. Moutazom Sabango Awa. Sauf Azali qui danger. Félix. Allait-il copier sa bango ba passeport congolais bakota na Congo? On doit réfléchir. Mon amboka, makambo etali ba nationalité o ezali pe ko sala mo débat na kati ya place publique. Lelo to yebi ete le frère aîné ya mon amboka Salomon Escadelle ezali bongo mon amboka Moïse Monide la ezali président ya Conade. Alors lolenge kani makambo na nationalité ko kota o Salomon Escadelle ezali belge. Aussi en tant que grand frère na ezali congolais de père et de mère mon amboka. C'est pourquoi dans l'Otebisayo, opposition congolaise, Bakani Saraki Bambaza en marge de la justice. C'est ça le mal dans le Congo. Mais on a vu ici, aux États-Unis, interpeller les présidents sortants, donnant le trap à la justice. Si c'était au Congo, on avait un acharnement. C'est ça les Congolais. Les Congolais ne veulent pas réfléchir. Vous comprenez? Les Congolais, au lieu de réfléchir dans Moutou, on réfléchit dans Liboum. C'est ça les Congolais. Pour eux, Nyon sera toujours acharnement. On a le droit de poser aux questions, mais on a vu ça, et ça l'a mis aux États-Unis. On a interpellé le président sortant Donald Trump à la justice américaine. Ils n'ont pas crié qu'il n'a acharnement. Et ça l'a mis en France. Nicolas Sarkozy être interpellé à la justice française. Bah, crié n'a acharnement. Mais seulement ici au Congo, si on interpelle un opposant, même si à commettre une infraction à droit commun, c'est l'acharnement. Mais nous voulons une chose et son contraire. Est-ce que être opposant, ils ont pèsé au droit, il y a qu'on bafoué loi Mbok? Je ne pense pas. Quel est le danger Salomon a représenté dans le régime actuel? Laissez-moi finir avec Okimisanga fil d'idée. Nous devons, tomber ça quand même dans le Congo. Tant que tu lingi démocratie, tu mets ça na pe que la démocratie et que n'a pas de père n'a respect à la loi na katamboka. Tant que commettre une infraction,
tu dois subir la rigueur de la loi. Salomon, pendant tous ces temps, il n'a jamais été interpellé dans la justice en Mais lorsque nos services, ils ont compris que il est en connivence avec mes ennemis en Bokanabiso. Il y a un ennemi, c'est qu'on a une mission précédente que nos services à renseignement, statuera sur base, il y a rimerté. Tant que je vais réunir ma preuve autour de ces messieurs, on a mis la main sur lui. Et puis, il faut découvrir par rapport à la preuve de qui dans son téléphone. Le pistolet Jéricho attribué faussement à monsieur Salomon Kalonda Escadela, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenait plutôt à mon garde du corps qui l'avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais premier ministre. Oyo ezali mona mboka matata pone muta a tweeté par rapport à la situation à la conférence oyo a kobimisa sokoba preuve alobi depuis que j'étais premier ministre arme pistolet oyo ba attribué Salomon Escadela ba tena na grief na charge dossier na ezali bongo arme ya garde du corps ya matata ponyo depuis ala ki premier ministre alobi cette arme a été perdue le 25 mai le jour du sitting. Bon, moi je pense que d'abord ces messieurs tanga awa il n'est pas d'abord un modèle autre que vanda tout s'éterniser na tweet matata ponyo. Est-ce que Matata est expert en matière? Salomon lui-même reconnaît d'avoir détenu une arme. Et puis, il y a une image de Moni Yango, une image sur Facebook. Salomon avec une arme. Mais il y a cette aventure à l'objet, il a faussé faussement. Mais tout le monde. Non, il y a une aventure comme Matata en pognon, il y a tweeté. Pendant que lui-même, la personne interpellée reconnaît avoir détenu une arme à feu avec lui. Mais qui dit la vérité? Tout le monde place Mogona Nteoyo Salomon Escadela à reconnaître qu'il y a une arme. Parce qu'il y a Zali Koloba toujours que Zali y est détenu. Il y a une arme, Zali garde du corps, Zali tout autour. Je pense que quand on a dit que non, il y a des informations vraies sur lui. Le Lopez a raison. Mais je t'informe. Même à l'aéroport de Ndjili, lorsqu'il a été arrêté, il avait une arme avec lui. Ok, moi je ne suis pas là pour vendre Colombie là-bas, tweet il y a bateau modèle pour n'importe quoi. Tu parlais de faits, c'est ça le mal au Congo. Tu limites la spéculation de parler de faits. Les faits sont là que ce monsieur Salomon Escadela est arrêté. Voilà ma greffe va retenir contre lui. Incitation des militaires à commettre des actes contraires parce qu'il est qui pour manipuler la police y a Congo. Un major et puis c'est subalterne. Deuxièmement, atteinte à la sûreté de l'État. Les preuves sont là, monsieur. Parlons de preuves, non de spéculation, Matata Pony. Les preuves sont là. Toutes ces preuves-là, ils ont contenu dans le téléphone de Yemoko. Dans la conversation avec les M23, avec l'assistant Yamakinga, le colonel Wana. Ils ont dit, alors, devons-nous parler de spéculation de parlons de faits. Pourquoi les Congolais n'ont pas parlé de faits? J'ai suivi encore un communicateur ensemble. Lorsque nos services à renseignement, militaires et civils, vont mettre la main sur les éléments RDF, na Goma, j'ai vu un avocat de Sirkois, Konobake non, ils ont montage à gouvernement congolais. Et on a besoin qu'au Congo, nous avons des diplômes. Mais bien, l'intelligence, c'est pas la Congo. Voilà, le dossier Salomon Escadela n'a pas dit que le Congo renseignement et le Mboka Nabi sur le Babayi, devant juge naturel, il y a des procès, il y a des avocats, 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 il y a des
qui a lobby été bah Rwandais bah ba neko bah ba neko na biso mais régime Kagame n'est ali ennemi à République démocratique du Congo même régime Kagame wana et tout qu'on restructurer armée oyo lelo oyo chef d'état major à koti na ba neko yasika est-ce que ali préparation pour que ba meka esus ko attaquer République démocratique du Congo te na je mon ngona lisu wana te tant kaka bakangi Salomo Skadela mbala moko na Rwanda il y a eu cette restructuration au niveau de l'armée parce que ce monsieur Moïse Moïde là avait entretenu des relations avec beaucoup de généraux rwandais en fonction yango tangu ba découvrir Rwanda Kagame s'est précipité maintenant il y a pour changer certains officiers d'autres kuto kangi bango c'est pour vous dire que et Kagame s'y rapproche de quelque chose. Voilà pourquoi on a dit ça qui est. Kagame à lui seul, alors ça n'a rien à Congo et le Rwanda. La force de Kagame, et Kagame, pardon, vous l'ai dit, il va en acquis une infiltration au niveau de l'armée congolaise. Il y a un complice, comme Moïse et Salomo Skadela. Il y a pour revenir. Si l'élo, il y a une déclaration à Moïse Katumbité, na ensemble ba condamné agression rwandaise ti lelo mais parce que lelo oyo question ezali ko interpeller congolais population congolaise c'est lié à intérêt général est-ce que ceux qui mona mboka Moïse Katumbi a lobinde ko pesa sort nini mona premier c'est il y a déclaration ti tu dis que tu es congolais tu veux diriger le Congo mais tu dois avoir l'amour du Congo quelqu'un qui a l'amour du Congo a comme on mboka na est agressé papa nini. Alors, nous parlons de quoi? C'est pour vous dire que ce monsieur, c'est un danger pour la République. Et puis, alors, se servir qu'à la Congolais. Et des Congolais, comme ce sont des lèche-bottes, à cause de ma billet vert, ma zombie pour trahir leur pays, c'est ça la conséquence de l'eau. Moukébé à Sibir. Les l'eau scadée là. Toujours au profit des étrangers. Voilà l'imbécilité congolaise. À cause d'argent. Au limo kaba, au combo de contre ton pays, au profit à l'étranger. Au chotanga à combo. Moi, n'a mboka bifor biselele. Il est congolais, je le connais. C'est un vieux du quartier de Kasavubu. Mais je suis désolé de le dire. Lelo Oyo, il travaille contre son propre pays. Mais il est congolais. Mais pourquoi le contraire na Rwanda et Salamagati? Mais est-ce que ça a été parce que lelo oyo monamboka Félix Antoine Tshisekedi président de la République a pesa qui est passe wana parce que il était l'intermédiaire entre le président Kagame et le président Félix Antoine Tshisekedi lelo oyo ce qui était ba dossier wana et baluka qui en défaveur ya président Félix Antoine Tshisekedi est-ce que ezala ki cartouche mon côté bomba mai na kati wana bisele la intermédiaire entre Félix na Kagame na qualité ni Tshisekedi c'est un chef de l'État. Entre les deux nations, il y a une coopération bilatérale. Parce que tu as dit à chaque fois, les représentants du chef de l'État, c'est Katia Rwanda. Mais il fit conseiller chef de l'État, c'est tout à fait normal. Net na minuto, le président, net Serge Chiban, professeur Serge Chiban, au magasin intermédiaire chef de l'État, il est son conseiller. Mission à Rotindaye, qui n'est pas si telle, qui n'est pas si telle. Il y a une prérogative de conseiller chef de l'État. Maintenant, il y a une PCO, confiance, wana. Tellement tu es traître ou abisé na yango. C'est ça le problème. Yango na autre biso les Congolais na habité matière nzamba c'est les Congolais. La trahison est venue na makila Congolais. Na autre biso awa na zungili comme na autre biso awa. Tala tous les Congolais wana au bas derrière Moïse Katumbi. Ba autre même ba vie na bango en danger au profit ya ba étranger. Ba kangi maiki mukibai na moni déclaration ensemble était. Ok? Bakangi Salomo Skadela, c'est une déclaration. Mais il faut être à la bâtie qualité. A tous les jours, il faut être à la bâtie qualité. Mais il faut être à la bâtie qualité. Azalaki Bongo écouté dans l'Assemblée nationale. La situation n'a pas été avancée. Mais Lelo Oyo, tout ce qui est un dossier à Fortuna, c'est le dossier qui est dans la cour d'appel et à Gombe. Et comment on a été sort et qu'on a été sort. Tu as fait mon an. Et on a été à la bâtie. Il y a un ministre de la justice qui a dit que c'est à cause de la vente de Ventir Yamark. Pourquoi seulement le dossier a mis les mots? Est-ce qu'il y a des sous de cartes? Qu'est-ce qui se cache derrière la perte de dossier? Alors, qu'ils arrêtent avec leurs aventures.
Biselele a été accusé pour haute trahison. Ce monsieur doit répondre de ses actes. Alors, que ces magistrats vont ventiler le monde. Mais est-ce que les gens ont été écoutés en face, il y a monde, il y a face, il y a Afrique, et le lingé quand il y a négligence, il y a une carte de justice. Comment est-ce qu'un dossier très grave et qui vous a introuvable dans la cour d'appel à Gombe? Ce n'est pas, c'est une négligence. La justice congolaise est inféodée. Il y avait des pions. C'est que, okay, Kagame avait infiltré notre Congo à tous les niveaux. Imaginez-vous Kagame donner les instructions à la CENI, il y a certains députés comme députés, des ministres, il y a obéissance à Kagame, généraux en fonction, Kagame. C'est ça le pays que Tshisekedi a hérité. Mais tant que tu vas vendre, tu vas au Congo, tu vas avec légèreté. Tshisekedi, d'abord, combien de fois, tu as même la vie, combien de fois? Son avion a été abattu na Goma. Son chauffeur a couffé na Goma. Bandalo kamutu yana. Alors tant toi abordé mamba Congo, tout le monde avec sérénité. Mais il sait que l'opposition, membre opposition, c'est toi leader opposition, basaki porteur, il y a un plan, je t'avais dit ça au cours d'une émission ici. Yango wana elo ba preuve ya mission wana et bibi na téléphone à Moïse ya Skadé là Salomon. Ba qui a pour rien. Il a fallu paralyser ko semé chaos na ville à Kinshasa na Bandundu et puis na Bakongo. Ce sont nos services qui ont déjoué ça. Nous disons bravo nos services. Mais les ignorants ba comprendre été. Yango mon les ignorants bazo crier acharnement contre Moïse, acharnement contre Skadela. Pendant que ce messieurs ne représente rien. Même son chef ne représente rien. C'est un garçon de course à Kagame. Mais est-ce que... Et un tel messieurs, tout peut s'aider Congo. Mais ce pays sera bradé. Mais il bradé dans Rwanda. Mais est-ce que Moïse ne me fait pas peur aujourd'hui, mon ami? Nazoya, na auto episode, Moïse Katoum ne représente rien. Ce sont vous, les journalistes, on peut s'aider moi, Gazouana. Sur leur plateau. Mais les preuves sont là. D'un vivant d'Étienne Tshisekedi, au son monaye, à Kenda, au Luka Peuple, pour y en marche dans la cité. Félix Tshisekedi, au son monaye en opposition, à Kenda na Tchangu, pour sensibiliser les Congolais et les combattants, ben en marche. Mais ma tata, c'est pour vous dire. Vous avez dit que c'est une opposition intellectuelle. J'arrive. Épargnez-moi de ces messieurs-là, ces voleurs-là. Qui aurait volé l'argent Mboka. Ok? Mais on a vu Fayulu, Kokena Tchangu. On a vu Katumbi, Kokena Selembao. C'est pour vous dire que nous sommes en face d'une opposition faible. Opposition faible, mais Azali toujours intercalé dans l'action. Nous avons montré que le pouvoir en place, Azali, opposition Azali faible, Kokomisa est forte. Nous avons dit que au cours d'une émission, gérer, c'est prévoir. Les informations que détiennent nos services, nous avons tout à. Si le pouvoir en place avait peur de l'opposition, je pense que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit à Genève, après le précédent serment à Tshisekedi, Fayulu a organisé combien de meetings? Il a été intercalé. À ta côté? À cela combien de meetings na Sainte-Thérèse? Car à l'élo Oyo, ils sont faibles, ben intercalés, ben non, monsieur. N'est-ce pas que nous sommes face à une opposition très faible, très très faible alors. L'opposition mais, très, très faible, mais l'opposition très très faible fait peur. Na autre chose, monsieur Awa, peut-être tu ne me saisis pas bien. Les gouvernements et nos services détiennent les informations au moment où on en a. Les preuves sont là. Tant que le bas en haut à l'émission passée. Peut-être au courant qu'il a été. Mais il dit que nos services détiennent des informations très sensibles concernant l'opposition. Même si on a recours d'une émission. Le Oyo, na téléphone, il y a Salomon Skadela, mais information est bimi. Alors, fallait-il laisser cette opposition au moment où on va s'aimer Kao na Mboka pour faire plaisir à une certaine opinion? Non. Quel est ce gouvernement? Quel est ce régime
à côté qu'à l'opposition aux juifs armés qu'on renverse de même au nom de la démocratie détrompez-nous la démocratie ils ont liberté n'agité Congo pèse sous jungle été même c'est que l'opposition ait compris que sauf que tout qui n'avait élection bako battre bango bako échouer lamentablement il fallait maintenant opter pour une option y a qu'on soit Minduki y a Ngoana et mon téléphone à moi y a Salomon Escadela bazo préparer coup d'état contre le régime en place y a Ngoana et mon ami parce que l'opposition sont basala qui réellement makasi balinga qui ba kinde ko sala ba complot basala contre Congo avec les M23 avec le Rwanda parce que l'opposition ayant compris que les élections crédibles comme ça qu'on faire face na mon amboka Félix Tshisekedi en tout cas to essuyer poussière parce que les lots ba sondages internationaux même ne ba parrain na bango et démontrer yango que Tshisekedi a toujours pointé à la tête y a tous les sondages avec des 70%, des 80%, au détriment, il y a Mouto Joël, Sangai Soriano, Nissim, Dikastou, Katumbi, qui lui reste n'est pas congolais. Toi, tu penses que les Congolais sont sous DIP, les preuves, au moment où les 20 mai, Bake Kabola Mbongo, na Kanluka, ba 20 dollars à chacun, na ba machette, na ba drapelet, na ba effigie ensemble. On a vu ces peuples-là, de ces contrées-là, ba Zui, ba Mbongo, na télévision, mon qui yango. C'est pour dire que les Congolais ont compris que non, ces gens, bah, ont une mission qui a détruit le Mbokanabiso. Tout le monde est là que Moutouana Soussia Mboka Oyo, c'est notre président des pères et des mères, Félix Tshisekedi. C'est la première fois que les Congolais ont Kanluka, bah, 20 dollars à tienne poche, à lui drapelé, à lui effigie. Il y a Katumbi, bah, tienne en moto. Non, non, tout le monde est à la télévision. C'est pour dire que les Congolais, bah, comme ils comprennent, l'opposition ayant compris cela, a dit, élection sous-soutée. Or, c'est eux qui faisaient la pression ici, à la CENI, allant aux élections. Mais pourquoi ils ont tergiversé? Bah, si ma monde déjà carte, que, avec les élections, et si il y a une conversation à mon amboka, Salomon Skadela, Azo Seng en M23, assistant à Makenga, va faire pression au gouvernement congolais pour que les élections n'aient pas lieu. Bah qu'il y a un dialogue. On peut profiter de Bango. Or, le train des élections est déjà en marche. Nous irons aux élections, que les meilleurs l'emportent. Et ces meilleurs-là, c'est moi, Namboka, Félix Tshisekedi, Chilombo. Oh, Congolais, nous avons passé confiance. Il y a un deuxième mandat pour changer les choses. Parce que déjà, dans le premier mandat, nous avons vu sa volonté. Par rapport au Congo, il y a quoi d'emboka au Téléma. Malgré Bakal, malgré Baguerre, malgré tout ça, mais il a eu quand même, il y a comment dire ça, quoi? Mbongo ya mboka, ton longue na 4 milliards, ton longue na 16 milliards. 16 milliards, oui, Zali Bongo, 16 milliards à frappe, mon mboka. Zo mon athée, parce que des ODEP, oyo, Zali Bongo, organisme, mon nene, oyo, structure, mon nene, oyo, italaka, ba chaîne, ya provisionnement, lelo, oyo, akolo, ba ete, to Zali, naino, na 3, et quelques, na mois de, presque mois de juin. Est-ce que toko, ti na 2000, ti na décembre, ton na janvier 2024, toko, kako mobiliser 16 milliards, mon mboka. Qui au dépend de la déclaration, je suis un peu désolé. Il y a une prévision budgétaire par rapport à la régie financière, par rapport à l'assignation, ou à la régie financière, et on va passer la projection budgétaire. Mais par rapport à la chaîne déjà d'approvisionnement, par rapport à la régie financière, et déjà dans le mois de juin, il y a 7,5 milliards. Et il y a 3,5 milliards. Au moins, il y a un retard. Et puis, ces chiffres-là sont. Ces chiffres-là, ceux qui sont avancés par l'ODEP, moi, je pense qu'il y a d'abord un mensonge. Pour ce que j'ai eu ma signation, il y a déjà eu Moko. Il y a moins de mars, ça y est combien? Au-delà de 1 milliard. Au moins, il y a un chiffre avancé par l'ODEP. Si cela s'avérait vraiment dans l'oubli, il y a des mensonges. Et pour qui l'ODEP a roulé? Parce que j'ai eu ma signation, Pamba, il y a déjà eu Moko. Depuis janvier, il y a comme il y a au-delà de 3 milliards. Il y a déjà eu Moko. Alors, tu as l'oubli la nini, papa. Moi, je pense que ODEP, il faut battre la bien. Si réellement, pour qui a joué.
Pour ça, on a 3 milliards, il y a faux et puis ça mensonge, moi, grossier. Pendant que ma signation, on va payer la qui DGIE Moko, à ça dépassé il y a 4 milliards, si je ne me trompe. Papa, tout ce cas, Lelo Oyo, Congolais, toi, je m'en avais fort Oyo, notre chef de l'État social pour Nambo Kanabiso. Le pays est engagé à guerre, à la guerre, ils sont engagés à la bitumba. Moi, je suis dit qu'il y a guerre. Koto, bah, restez, ils ont maté. Koto, bah, je tourne à Congo. Papa, mais il faut être sorcier sur le bois ici, c'est qu'il faut être sorcier. Kabila a fait 18 ans dans ces pays avec la guerre. Alors, il y a Koto, il y a Nambo Kote pendant 18 ans. Mais tu sais qu'elle dit, tu sais qu'elle dit, à ton unique, Kabila, à ton unique. Il y a des choses qui sont illusions. Soit par rapport à ma réalisation, je vous dis, aucun président au Congo, pendant 4 ans, a salé ma réalisation au flic, c'est-à-dire pendant 4 ans. Aucun président. A commencer par Kassavubu. Je dis aucun président. Mais tu sais, d'écouter les choses, il y a la crise planétaire, il y a la Covid, la guerre en Ukraine. Mais on a vu ici, na Ghana, dépréciation à dollar, 70% à Ghana. Aux États-Unis, crise, il y a bleu. Donc, crise, il y a dans le Congo. Si on dit que tu as une crise dans le Congo, c'est qu'il est malade ou il a une information. Je pense que c'est le même grief. Il y a un dossier de mon ambo Salomon Escadela. Même grief, il y a un dossier de mon Gatutu. Il y a toujours port d'armes à fait illégal. Mais est-ce que le truc pour comprendre le dossier de mon Gatutu et qu'évoluer de mon dossier de mon Gatutu, j'ai évolué calmement. Toujours kindi, avocat n'est pas singa qui, parce qu'il va payer liberté provisoire à se faire soigner, mais je pense que la justice militaire va rejeter qui en haut. Les dossiers continuent. Toi, on a niveau à plaidoirie. Avocat va être moyen de défense, ministère public va moyen de défense. À la fin, c'est les juges qui vont trancher, va statuer par rapport au dossier à Mwangachuchu. Mais je pense qu'il y a aux alépariniers. Il faut pas canailler ce monsieur-là, le principal auteur. Il y a un pillage, il y a des ressources en Boko Nabiso, c'est ce monsieur-là, Mwangachuchu. Mais il y a un Congo qui a trois problèmes majeurs. C'est ce qui a résolu de demi-balé. Arrestation à Mwangachuchu. Premier problème, parce que c'est lui qui était le principal fournisseur de minerais Congo na Kagame. Parce qu'à lui seul, il détenait 90% de mines à Congo. Deuxième problème, c'est là qui nini, c'est là qui état de siège. Où il frappe qui économie à Rwanda. Deuxième action, arrestation à Mwangachuchu. Troisième action, maintenant c'est là qui nini, c'est la loi Tchani pour mettre fin naba désordre. Oh yo, c'est na katambo kanabiso. Voilà les trois actions pour sauver Congo yango. Parce que lelo, depuis l'instauration état de siège, depuis l'arrestation à Mwangachuchu. On a vu l'économie rwandaise être asphyxiée. Car comme il est là, quand on est là, comme il par tous les moyens. Récemment, moi, na yoto moni awa, comment on a, bah, il va aussi intercepter ma fille, il va coltan, bah, dissimuler la cache à mutuka, bah, manœuvre. Or, kala, il va donner ma poule, il va donner ma calmement, bah, sur ravitailler Rwanda. Et le Rwanda est commis en cours de ravitaillement à cause, il y a état de siège, à cause, il y a arrestation à Mwangachuchu. Et la troisième. Actuellement, pour sauver Mboka Oyo, ils ont l'indépendance. Tant que la loi Tchani en vigueur, ils ont l'indépendance contre l'impérialisme dans le Congo. Voilà, je pense que c'est ce que je comprends. Je pense que c'est ce que je comprends. Je pense que c'est une question. Et puis, je pense que c'est ce que je pense. Les Congolais ont dit que c'est ce que je pense. Je pense que c'est ce que je pense. Je pense que c'est ce opposition. Et collé là, Bazali acharné. Opposition va collé là par rapport à la situation où ils allaient kokoma. Est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi a kobunda na opposition, toi kobunda na propre succession na imoko? Félix Tshisekedi a zana challenger dans l'élection. A zana challenger.
Coup de pont en gagne l'élection, on a une raison d'être dans un côté. Parce qu'il n'y a pas un adversaire de taille en face à Félix Tshisekedi. Autant qu'il en a. Fayoul. Moïse Katumbi, Azali, ou Azali, que ça la peur. Azali. C'est ça, Azali. Azali. Azali, Kandamoro Miner. Katumbi. Mais non, presse, il y a un peu la Katumbi. Même na Katanga, ceux qui bâtissent qui a postulé, il sera bâti par Félix Tshisekedi. Même na, soit disant tout ça qu'on a fief na ina cacho bouwana, il sera battu. Mais les preuves sont là. Na auto bisa awa Tshisekedi est la deuxième personnalité ba yamba le ko la roi na kata Lubumbashi après Moïse Tshombe. Na bien fief naturel na ye entre guillemets, bien qu'il n'est pas congolais. Vous comprenez? Il n'est pas congolais. Moi je pense que l'élection auto okende yango moni même ba parrain na bango. Les impérialistes, bandeko tcha pression, toke na belection, langage de le changer. Parce qu'ils ont compris que le train des élections au Congo est déjà en marche. Maintenant, batali en face, ils ont bulldozer, Tshisekedi. Congolais de père et de mère. Congolais nyonso, à l'unanimité, nous nous sommes décidés à voter à 90% pour à continuer la mission on dit ma PC pour le Congo. Il y a un lelo. Les opposants en perte de vitesse, comme la rébellion, le coup d'État. Les preuves sont là. Na avons dit qu'il y au cours d'une émission que cette opposition est porteuse. Il y a un plan machiavélique contre le Congo. Les preuves sont là avec Salomon Skadela. Il y a une conversation, il y a un coup d'État dans Kati. Il y a un texto. Alors, il fait ça au profit de qui? Point d'interrogation. De son chef. Voilà les Congolais, la naïveté et l'inconscience dont j'ai toujours fait allusion. Salomon, c'est un Congolais. Bien qu'il a acquis la nationalité belge, mais il est Congolais de père et de mère. Mais Tala, sale besogne, oh, bah, ça, ça y est, par les étrangers. Safou, c'est un Congolais. Moukébé, c'est un Congolais. Mais Tala, bêtise, bah, l'obisabango, parce que devant l'argent, au profit des étrangers. Voilà. On a vu les éminents professeurs dans ces pays. Faire le même sale besoin au profit des étrangers. Allons-nous dire qu'au Congo, nous avons des professeurs, nous avons des diplômes? Je dirais non. Au Congo, nous avons des grands diplômes, mais pas des intelligences. Voilà. Parce que quand je vois un maître avocat de Sirkois, que j'avais beaucoup d'estime, Laurent Onyemba, dans une émission, a nié agression, l'implication à Kagame, à Rwanda, na agression, na lila qui m'a cassé jour en go. Or, c'est un message que j'apprécie beaucoup. Tout ça à cause d'argent, à cause des billets verts. Ba teki am na bango, ba teki molimo, au profit à Mongo, pour na défendre l'intérêt à ba étranger. De tous ces quatre leaders d'opposition, hormis de l'Ulysse Sanga, qui aussi, a sa na ma klena ma boko na ye, a kongena ba rébellion, tous ces leaders sont des étrangers. Mais voilà comment. Ils ont manipulé les Congolais. Les gens qui sont en prison, tout le monde déclare soit Katumbi. Les gens qui sont en Salomon est en prison dans la prison. Voilà, voilà l'inconscience dont j'ai fait allusion à les Congolais. Voilà, je pense que Laurent Onyemba a été dit le 12 juin à Koya Bongo pour hôtel et sa situation où il y a parce que tu vois qu'il est déjà en Anzela il y a téléphone. Le 12 juin où il y a Laurent Onyemba pour qu'il y a hôtel et sa situation. Je pense que moi, je les gens qui sont en Congolais, ils sont en Congolais, ils sont en télévision. Message ni aux alliés n'ango pour na ba congolais nyoso. Message na opesa na ba congolais bolanda ba discours ya ba aventurier opposition te. Ils n'ont pas un discours ya opesa bino. L'opposition fait les jeux de l'ennemi. Na yebisa ki bino au cours d'une émission que cette opposition baza porteuse d'un plan. Plein za ki ya chaos, semer le chaos na kata république, ba jodi plan on est pas banani, ba parrain na bango. Bato ba on soit disant ba ba candidat entre autres Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, je l'ai dit et je le répète, il n'est pas congolais. Jamais à Kolinga Congo. La preuve, Bosikala comme on a été, ni ma collaborateur n'a été, va condamner agression rwandaise, na Kagame. Si le lot, basa ko entretenir ma relation, na Kagame, les preuves sont là, na téléphone ya Salomon Skadela. Oyo, justice n'a mis sur la qui si noir sur blanc, bah servir sur la qui sur que ces messieurs là
azalaki en complot ya kosala coup d'état contre notre pays et puis coup d'état ngara sala au profit de qui boyebi réponse. Voilà pourquoi nous sommes bino la jeunesse congolaise en général kinoise en particulier bo CDT na opposition cette opposition esa opposition oyo esa portée par les impérialistes et Kagame yango moni bango bazoka courage té ya condamner Kagame ya condamner Rwanda to sengi na peuple congolais à l'unanimité to ko sanctionner cette opposition na ba irne tous votons pour Tshisekedi Félix parce qu'il est congolais de père et de mère oyo te mi papa na bango maman na bango te mi bango malam et cette opposition papa na bango te mi bango té misusu na bango papa zalaki juif grec maman zambien mususu sénégalais camerounais mususu aoutati Rwanda et c'est cette opposition on va donner des leçons pour les Congolais. Sauf que certains Congolais, bah, qui ba am na bango, à cause d'argent, il y a encore des millions de Congolais qui ne fléchiront jamais. Tous les gens pour défendre un beau cannabis. Cette opposition, oh, Kagame, je suis en train de me faire un pouvoir à mon côté. Je dis et je vous remercie. Mon numéro, c'est le plus 243 81 52 99 123. Plus 243. 81, 52, 99, 123. Na bengi na ba sénateur nyonso, baya na 10, na 11e ri, matinée politique, ezali kuna, lelo, tokuta na biso nyonso, lelo na 14h, na permanence à IDPS. Na bandi ete, ba landi ya Congo Live Télévision, toko tiela bino sika wa programme, parce que, lolenge kani makambwe ko tambola na République démocratique du Congo, ezali bongo na ba, ba na mboka oyo, bino pe boko zelaka, ba répondre bino par rapport ya ba activité, par rapport ya ba situation ko leka na kati ya mboka na biso, bongo ete, na ko rappele bino deja mokolo ya vendredi 9 juin oyo, toko zala bongo na oyo, ezali bongo Chris Mukendi ya ko zala pena biso awa na kati ya Congo Live Télévision pour que tout me ka un peu ko partager na ye wana ezali bongo ba agenda ou tokopé sabino déjà pour que boye baka évolution lolenge kani makambo ko tambola na République démocratique du Congo na bandi to komi na biso na suka na bandi te dokuta na mikolo ezali ko ya botika la malamu na mabota na bino. Okay.